pense qu'on a déjà une belle brochette. Et donc je vais appeler Antoine Wächter. Et notamment à cette plénière que nous avons eue sur la loi sur la transition énergétique,
Vous êtes plus quasiment 1000 personnes à suivre le débat jeudi soir. Et c'est important de le redire, parce que cette loi qui arrive dans les semaines qui viennent au Parlement, pour la première fois, grâce aux écologistes, une loi en France va acter le contingentement d'énergie nucléaire. Et c'est un pas décisif pour nous. Et il faut que vous le compreniez tous, ce que nous avons fait depuis tant d'années, les combats qui ont fait qu'à un moment, des gens qui étaient contre le nucléaire ont décidé de créer les Verts, de créer un parti politique pour justement sortir de l'énergie nucléaire. Demain, nous aurons un texte de loi pour aller dans ce sens-là. Et je l'espère, dans 20 ans, nous arriverons à sortir définitivement de cette énergie nocive. Je tiens enfin également à saluer l'ensemble des militants, vous tous et tous qui êtes là, pour votre présence, pour ce que vous faites partout dans les territoires, chez vous, pour défendre l'écologie politique. Et saluer notamment les jeunes écolos qui viennent d'avoir, je crois, la rassemblée. Je veux en particulier saluer Lucas Médélec et Laura Châtel qui sont à la tête des jeunes écolos, mais aussi remercier les jeunes écolos pour l'ensemble de leur action. Je crois qu'ils ont aussi bien animé les journées d'été, en journée et en soirée. Et je les remercie vivement pour leur présence et leur engagement. Sur qui est passé par les jeunes écolos. Moi, je n'ai pas eu ce plaisir. Je suis arrivée vieille à Europe Écologie des Verts. Mais d'autres, vous le verrez, ont évolué. On aura des preuves de leur passage chez les jeunes écolos. Je veux vous remercier vraiment pour votre présence et aussi ce que ces journées représentent pour nous. Cela représente un moment de réunion extrêmement fort, un moment où les écologistes n'ont jamais été aussi indispensables à notre pays et à la politique. Et vous le savez, les écologistes sont forts quand ils sont rassemblés. Et je crois qu'à l'occasion des 40 ans de l'écologie politique, il est extrêmement important que nous redisions ce message. En étant rassemblés, en étant unis, en étant déterminés à combattre le productivisme, nous pouvons avoir des victoires et nous pouvons aussi montrer que nous sommes nous porteurs d'une espérance et que nous avons des réponses aux crises sociales, environnementales et économiques que nous connaissons. D'efforts à faire, beaucoup d'améliorations, améliorer notre vocabulaire pour qu'il soit plus compréhensible, mieux débattre, être plus accessible, faire comprendre vers quel chemin nous voulons prendre et vers où nous voulons aller. Mais tout cela doit aussi nous permettre de montrer que nous sommes porteurs de solutions, nous sommes porteurs de réponses à la question de l'emploi, nous sommes porteurs de réponses à la question de l'épuisement des ressources naturelles, et contrairement à d'autres, non, la croissance n'est pas cette réponse. Vous le savez tous très bien, notre réponse est d'avoir un autre modèle de développement. C'est de montrer que c'est le productivisme qui nous tue à petit feu et que justement nous devons réinventer d'autres modèles de développement, des modèles de production des richesses qui permettent à tout le monde de vivre dignement et de vivre avec l'égalité et la solidarité qu'il faut. Et c'est justement cela que nous avons porté pendant 2 ans et demi quand nous étions au gouvernement. Moi je le dis à tout le monde, notre passage n'a pas été vain. Nous avons combattu un certain nombre de projets, nous avons aussi contribué à un grand nombre de textes de loi et nous avons aussi défendu notre vision du monde. Et je le dis, puisqu'aujourd'hui les lobbies immobiliers se disent qu'il serait bon de détricoter une des plus grandes lois de ce quinquennat, nous ne laisserons pas faire des tricotages sur la loi Allure parce que justement, c'est une loi de... les lobbies immobiliers, la spéculation immobilière et ce qui a été laissé faire dans notre pays pendant tant d'années, nous serons encore plus déterminés à montrer que les écologistes ont une vision pour répondre à la crise du logement et aussi une vision pour donner plus de solidarité et sortir de ce que notre pays connaît aujourd'hui. Je le disais hier, puisque nous étions un peu... bousculés par des intervenants à la plénière d'hier soir sur notre action. Je le rappelle, tous les écolos que nous sommes, nous nous levons chaque matin avec l'envie de lutter contre le productivisme. Et vous le savez très bien que ce n'est pas la croissance qui va rendre le monde meilleur. Je le dis parce que j'ai lu cet après-midi une interview d'un ministre de l'économie qui, semble-t-il, partage aujourd'hui ce point de vue.
Le problème, c'est qu'il a oublié un peu la suite du raisonnement. C'est aussi être contre les gaz de schiste, contre le nucléaire et contre le productivisme. Mais je crois en tout cas que peut-être l'année prochaine, on pourra l'inviter pour justement lui permettre de faire évoluer, de faire le chemin et justement d'évoluer. Ce qui est certain, et nous le disons depuis plusieurs mois, ce n'est pas ni le retour de la croissance, ni le fait que l'on applique les 3% qui va permettre de répondre aux difficultés sociales de notre pays. Nous devons avoir une politique économique pour répondre à la question de l'emploi, produire des emplois locaux, non délocalisables, qui permettent à tout le monde de travailler, trouver des manières d'assurer l'égalité et la solidarité pour tout le monde, avoir un partage du temps de travail, un partage des richesses, et aussi montrer que c'est l'écologie qui libère, c'est son absence qui est punitive, c'est ce que nous défendons tous les jours qui nous permet de vivre mieux. Alors il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours sur ce que nous sommes, ce que nous devrions être, ce que nous allons être, quelle est la bonne stratégie pour peser, est-ce que vraiment nous pesons, est-ce que vraiment nous sommes importants dans ce paysage politique. Moi, je vous le dis, je ne me suis pas présentée pour diriger ce parti, pour ne pas défendre toutes ces valeurs qu'il y a dans notre parti politique. Nous ne voulons pas être des aiguillons, ni des suppléments d'âme, de la gauche, de la droite, de la gauche ceci ou de la gauche cela. Nous voulons être des écologistes, porteurs d'un changement de société très fort, acteurs du mouvement, prêts à gouverner, prêts à prendre des responsabilités, prêts aussi à être majoritaires. Et je crois que c'est justement ce à quoi nous devons nous atteler aujourd'hui. Être plus accessibles, mais aussi montrer à la société que nous pouvons répondre à leurs difficultés, que nous avons des solutions pour justement changer de modèle de développement, et aussi montrer que c'est la voie qu'il faut suivre. Parce que sinon, nous n'arriverons jamais à faire face aux défis climatiques, aux défis environnementaux qui sont face à nous. Il me semble important de le dire aujourd'hui parce que justement, nous avons organisé ces journées d'été autour des 40 ans de l'écologie politique. Vous le savez toutes et tous, il y a 40 ans, René Dumont se présentait à la campagne présidentielle de 1974. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs n'étaient pas nés, mais nous avons rejoint ce combat en cours de route. Et oui, excusez-moi. C'est aussi ça l'écologie, c'est d'avoir des dirigeants qui ont une certaine jeunesse. Mais justement, nous sommes dans un moment extraordinaire pour nous. L'écologie politique, c'est un mouvement récent par rapport à d'autres mouvements politiques. C'est aussi un mouvement qui a réussi à obtenir une adhésion dans la société. Et il faut aussi se dire les choses telles qu'elles sont. Oui, nous avons raison. Oui, les écologistes ont eu raison. Ils ont eu raison sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Ils ont eu raison sur les OGM. Ils ont eu raison sur les pesticides. Ils ont eu raison sur certains modes de vie. Ils ont eu raison sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau et tant d'autres sujets. Et oui, nous n'avons pas eu raison tout seul. Mais il faut aussi reconnaître que peut-être que c'est nous qui étions l'avant-garde, cette avant-garde que tant d'autres cherchent. Et aujourd'hui, 40 ans après, militants associatifs, militants politiques, syndicalistes, toutes les personnes qui sont engagées pour l'écologie politique, nous sommes aujourd'hui, nous avons une responsabilité très lourde qui est justement d'aller plus loin et d'imposer demain, et même pas demain, aujourd'hui et demain, justement, une vision écolo à la tête des pays, parce que vous le savez très bien que nous ne pourrons pas faire autrement. Alors, dans notre société, aujourd'hui, le désir d'écologie est là, il est réel, il est très fort, où on nous demande comment s'organiser, où on nous demande de l'aide, justement, pour accompagner des mouvements solidaires, des mouvements de d'autres modèles de consommation, d'autres modèles de production. À un moment où on exige des politiques, des actes très concrets, nous, écologistes, rassemblés, fiers de l'être, unis, allons de l'avant justement pour porter l'écologie et répondre à l'ensemble de ces sujets. Merci. En forme pour cette première table ronde. Alors,
Antoine, je t'en prie. Catherine. Paul, merci. Je crois qu'il faut situer tout simplement cette campagne qui a été l'origine de l'écologie politique en Europe et peut-être au-delà. Rappeler que nous étions à ce moment-là dans les Trente Glorieuses, que le bulldozer et le tracteur déménageaient la France, que les associations se multipliaient. Ça a été aussi la naissance du ministère de l'Environnement, la publication de Halte à la croissance du Club de Rome. Et tout ceci a conduit d'abord des naturalistes un peu naïvement à espérer modifier la politique en écrivant au ministre. Ils n'ont reçu que des réponses polies, sans plus. Et donc l'idée est venue de présenter les candidatures aux élections législatives qui arrivaient en 1973. Or, les collègues n'en ont pas voulu. Ils ont dit, nous on était naturalistes, on ne va pas en politique. Eh bien, nous avons créé à ce moment-là une formation politique spécifique qui était écologie et survie. J'étais censé être candidat dans ma circonscription de Mulhouse, mais à l'époque, il y avait encore une majorité de 25 ans pour être candidat, je ne les avais pas. Donc, on est allé chercher un ornithologue pour prêter son nom. Solange Fernet, qui n'habitait pas dans la circonscription, a accepté d'être la suppléante. Je pense que beaucoup de gens veulent applaudir Solange parce que je sais qu'elle est importante. J'ai fait la campagne, donc finalement ça a été le seul candidat écologiste. C'est comme ça que finalement le nom d'Henriette entrera dans l'histoire après cette campagne. D'ailleurs, il est revenu à son ornithologie. Mais nous avons continué et ça a été finalement le laboratoire qui a donné l'idée de présenter René Dumont aux élections présidentielles qui ont suivi. Eh bien, merci beaucoup, Antoine, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses ce soir sur notre histoire. Alors, pour une page. Ministre de l'Environnement de 1995 à 1997, c'est-à-dire avant même Dominique Voynet, donc finalement une des premières qui a creusé le sillon des ministres de l'Environnement qui ont fait des choses pour l'écologie. J'imagine qu'à l'époque ça ne devait pas être simple non plus, les lobbies étaient plus ou moins forts, comment ça se passait? De toute façon, être ministre de l'Environnement, de l'écologie, du développement durable, appelez-le comme vous voulez, c'est jamais facile, et c'est le cas dans tous les pays du monde. Pour avoir créé une association des anciens ministres de l'Environnement, j'ai pu discuter avec beaucoup. Ah ben oui. 70 pays en sont, enfin des représentants de 70 pays en sont membres, donc on a pu échanger. Et je peux vous dire que c'est à peu près partout la même chose. C'est-à-dire c'est toujours le temps court contre le temps long. C'est toujours ce qui coûte et ne rapporte pas tout de suite contre ce qui rapporte tout de suite et coûte beaucoup plus cher mais plus tard. Voilà, donc c'était difficile, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons. Les lobbies étaient puissants, dans la loi sur l'air j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais d'un autre côté, il y avait aussi des succès, peut-être parce que les questions étaient moins connues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Si le sujet des OGM avait été aussi connu qu'il l'est aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'aurais obtenu le moratoire sur les OGM à la table du Conseil des ministres, par exemple. Voilà. Donc, oui, et puis je dirais que dans ce domaine, comme dans tous les autres, c'est aussi les hommes et les femmes qui comptent. Et le degré de leur engagement et le rapport qu'ils établissent entre une carrière. Et puis des choix fondamentaux. Il y a des moments où il faut savoir dire non. Et c'est arrivé à d'autres, ça m'est arrivé aussi. Et lorsque j'ai refusé de signer le décret de redémarrage de Chris Mani, j'ai dit à la Juppé que je démissionnais s'il voulait que ce texte soit signé, qu'il trouverait un autre ministre pour le signer, qu'il avait du reste sous la main. Mais voilà, les choses ne se sont pas faites et Chris Mani m'a pas redémarré. Savoir comment je te présentais, je disais que tu étais là à la Fondation des Verts et tu m'as dit non, j'avais pas reçu l'invitation. Donc déjà c'était très bien organisé les Verts, et donc, mais tu étais quand même là même avant la création des Verts, dans tous les mouvements, donc pour nous tu fais partie de la création des Verts. Raconte-nous comment c'était à l'époque. Vous dire le plaisir que j'ai de me retrouver parmi vous, c'est-à-dire chez moi. Mais
différences politiques que nous pouvons avoir, notamment depuis la création du Front démocrate, écologique et social que je crée le 27 septembre à Paris. Non, c'est vrai, c'est annoncé, c'est bien, c'est fait. Bon, quand je dis ça tout à l'heure, on donne la raison de dire que le premier candidat en législative, c'est 73, mais l'écologie politique naît juste avant dans la lutte anti-nucléaire, notamment la lutte anti-nucléaire par rapport à la Fugue, c'est-à-dire en 71-72, autour notamment du journal de Gouvern et de M. Fournier, et aussi d'un homme, un naturaliste et environnemental qui s'appelait Jean Carlier, qui faisait une chronique sur RTL depuis l'année 67, et qui donc, trop mauvais, non pas de manière politique absolue, quoi qu'il joue un rôle extrêmement important, Jean Carlier, dans la candidature, la présentation de la candidature de René Dumont. Moi j'arrive en 72, j'avais un salut de la Terre, personne ne s'intéresse à moi, donc j'avais un groupe SU, et là on s'intéresse beaucoup plus à moi. Ce qui n'empêche rien, car ce que nous avons vécu ensemble, je parle des plus âgés, évidemment je m'en excuse, est un parcours complexe, forcément complexe. Je rappelais tout à l'heure dans une autre réunion à l'atelier que René Dumont n'a été candidat en 74 que parce que M. Charles Piaget, leader des libres, ouvriers des libres, refusait d'être candidat. Ce qui fait partie à la fois de notre cursus, de notre histoire et à la fois de la complexité de nous positionner en politique par rapport à, évidemment, à tout ce qui existe à droite et à gauche. Nous sommes les héritiers, tous ici ensemble, même les plus jeunes, d'une histoire confuse, d'une histoire complexe, d'une histoire délicate et difficile. Voilà, après ça, très clairement, 74, René fait cette campagne qui apparaît comme extrêmement surprenant. Je rappelle à ceux qui sont plus jeunes qu'en 74, il y a très peu de télévision et que le temps d'antenne est assez limité, et que déjà voir un homme qui n'est pas en cravate, qui n'est pas costumé, qui n'est pas en costume, est déjà absolument exceptionnel. Et après, René donne la marque à tout cela, et il faut un temps fou, très vite, pour que l'écologie politique arrive à se constituer en organisation politique, c'est en 84. Et c'est là, en 84, c'est pas qu'on n'invite pas, c'est que même moi qui étais journaliste de grande proximité par rapport aux écolos, qui avait... On ne met pas les trois chats. Je sais, c'est difficile. J'arrive tout de suite. Même moi qui, je ne savais même pas que le Parti Vert et la Confédération écologiste, le Parti écologiste, fusionnaient à cette date-là, en 84, je l'ai su quelques semaines plus tard. D'ailleurs, c'est très simple, je finis là-dessus. Ça a fait, en tout et en tout dans la presse, une brève de 12 lignes dans Le Monde, point barre. Et donc c'est au fur et à mesure, dans l'histoire verte, après on connaît, on pourra rappeler dans les siècles qui viennent, clairement que petit à petit, l'écologie politique prend toute sa place, et que le vert prenne la place centrale et la leur. Merci. Merci. Et personne ne repart des journalités sans sa BD Monique. J'espère que vous en avez une. Si ce n'est pas le cas, on vous en donne une en partant. Alors, on voit, et vous le savez, la création des Verts, d'Europe Écologie des Verts, puis même ce qu'il y avait bien avant ça, n'a pas été une longue croisière tranquille. Ça a pris du temps, mais ça a été efficace par la suite. Catherine Grèze est là pour nous parler de quelque chose d'encore plus compliqué, c'est-à-dire la création des Verts mondiaux. Alors, imaginez les Verts français plus tous ceux des autres pays, ça n'a pas dû être très simple. Oh, allons fleuve tranquille, je crois qu'on voit ce qu'on a vécu en France. Évidemment, c'est la même chose à l'échelle mondiale. Et ce débat est passionnant parce que si on tenait en Suisse, ou si on tenait en Finlande, ou si on tenait à Taïwan, tous les noms qui ont été cités ici, on aurait des noms différents parce que, bien évidemment, la naissance de l'écologie politique, et c'est pas la lutte pour la défense de l'environnement, mais bien la naissance de l'écologie politique dont on parle, c'est pas, excusons-nous, excusez-moi, ce n'est pas en France, mais c'est partout sur la planète en même temps. Et d'ailleurs, nos premiers élus écologistes et la naissance réellement de l'écologie politique, c'est en Tasmanie, c'est-à-dire justement à l'autre bout de la planète, avec un grand monsieur qui s'appelle Bob Brown et qui devient sénateur, suivi de près dans les années 80, au début des années 80, par une série de parlementaires en Nouvelle-Zélande. Et en Europe, notre premier élu, Daniel Brella, le maire vert de Lausanne, d'ailleurs pays en Suisse, vous voyez qu'il y a encore le pays où il y a le plus d'élus écologistes par habitant. Donc voilà, et puis il se passe dans les années 80 ce qu'on peut appeler un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui s'est appelé Tchernobyl, où évidemment on a tous découvert que les nuages ne s'arrêtaient pas aux frontières et que bien évidemment notre pensée, nos propositions, nos actions
ne pouvait pas non plus s'arrêter aux frontières et que nous avions intérêt à se structurer à l'échelle planétaire. Les années 80-90, c'est évidemment la grande période de l'essor. Et là, puisque Jean-Luc est à côté de moi, on avait organisé ensemble en 99 le premier congrès, enfin pas le premier, mais en France en tout cas, un congrès des Verts européens, 1500 personnes à la Villette. À l'époque, nous avions 15 ministres verts en Europe, plus de 200 parlementaires déjà dans le monde. Donc vous voyez, et avec quelques noms clés, pour le continent européen, Joschka Fischer, qui avait apporté de la crédibilité à l'écologie politique en élargissant le champ puisqu'on sortait de l'environnement pour faire de la politique étrangère, avec Ralph Nader sur le continent américain, 3 millions de voix qui déjà s'ouvraient à la société civile, et puis en Afrique quand même, il faut le rappeler aussi, Ramwe Traugo, qui dans les années 90 a été le premier sous une étiquette verte à faire un score à la présidentielle de 6,4, et il a fallu attendre de nombreuses années avec Mokus puis Marina. Et on vient de voir la nouvelle que Marina est investie, donc j'espère qu'elle sera la première présidente. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois, on peut continuer. Alors, non, ça n'a pas été facile. Nous avons abouti au premier congrès des Verts mondiaux à Canberra en l'an 2001. Pourquoi ? Parce que ça a été un aboutissement politique dû à une double impasse. L'impasse du premier sommet de la Terre, ou du contre-sommet à Rio, où société civile et politique s'étaient rencontrés, mais n'avaient pas pu faire passer leurs idées finalement. Ce mouvement citoyen n'avait pas pu aboutir. Et double impasse encore, face à une certaine altermondialisation qui espérait un débouché politique qui n'est pas arrivé. D'où la nécessité de se structurer à l'échelle mondiale. T'as la charte à montrer, et notre travail pour réaliser ce qui fut le premier document à l'échelle planétaire, pas pour vanter des grands principes communs, mais bien au-delà des valeurs, des actions communes. Et là, vous imaginez avec la difficulté, évidemment, puisque déjà en Europe, entre l'Est, où les écologistes étaient constitués sur des listes anticommunistes, et l'Ouest, où on était issu de mouvements contestataires, quand on rajoutait des continents, vous imaginez quand il a fallu faire établir un programme d'action commun sur les questions de société, notamment avec nos amis d'Afrique, on a commencé à aborder des questions d'homosexualité ou des questions d'avortement. Certains dans la salle ont participé à ces débats. Mais nous y sommes parvenus. Et ce premier congrès en 2000, où encore une fois, chaque personne qui s'exprimait, que ce soit Wangari Maathai, que ce soit Ingrid Betancourt, Bob Brown et toutes les grandes personnalités de la planète, même si elles étaient issues de la société civile, le faisaient bien au nom de leur parti politique, dans l'objectif de participer enfin partout où elle se trouvait sur la planète à la prise de décision et de sortir simplement du mouvement contestataire. Donc c'est là qu'une famille politique était née et qu'il y a eu cette rupture, et je m'en arrêterai là si tu le veux bien, avec l'offre traditionnelle entre guillemets existante qui était seule du capitalisme et de la social-démocratie. Alors merci beaucoup Catherine. Des Verts mondiaux, puis elle a été un peu la Emmanuel Cos des Verts mondiaux. Ouais. Et il y en a d'autres, au fond, je remercie ceux qui étaient dans l'aventure avec toi aussi. Ah oui, non, tu voulais dire qu'il y avait des chartes des Verts mondiaux. Il y a quelques chartes des Verts mondiaux, une petite ville voilà. À l'entrée, voilà, à ce jour, c'est encore le seul document, même si c'est pas une ville, même si c'est perfectible, mais qui est un véritable programme de l'écologie politique à l'échelle mondiale, fait par 85 partis différents de tous les continents. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va revenir avec Antoine Léchard, qui me confiait, quand on préparait cette plénière, avoir lu le livre de Cécile, Voyage au pays de la désillusion, et il me disait que ce n'était pas le premier voyage au pays de la désillusion, en fait. C'est que ce n'est pas la première fois. Et il m'a dit avoir beaucoup réfléchi, du coup, au pouvoir d'agir des écolos, finalement, et que tu avais quelque chose à nous dire là-dessus. Ben, je crois qu'après 40 ans d'activité, c'est quand même une question que chacune de nos structures doit se poser, mais aussi chacun de nous, quand nous sommes élus. C'est-à-dire que ces désillusions, il y en a eu effectivement beaucoup, et en particulier dans le domaine du ministère de l'Environnement, même depuis le premier, Pierre Poujade. Et en fait, je crois qu'il faut clairement distinguer deux choses. Ça a déjà fait débat il y a longtemps chez les Verts. C'est-à-dire le pouvoir formel. Le pouvoir formel, c'est ce que vous mettez sur votre carte de visite. Et puis la réalité du pouvoir. Ce sont deux choses différentes. Vous pouvez être ministre, adjoint au maire,
être vice-président d'un conseil régional et n'avoir aucun pouvoir. Et vous pouvez n'avoir aucune fonction et avoir du pouvoir. Un lobby, par exemple. Ben, je vous donnerai, si vous voulez, je vous donnerai trois exemples. Je pense que si on prend simplement le critère environnemental, il y a eu trois occasions fortes. La première occasion, c'est dans les années 75 à 78. C'est à ce moment-là que le Code de l'environnement commence à se remplir de lois. Il n'y a pas d'élu écologiste, mais il y a une demande sociale qui se manifeste avec la multiplication des associations, plusieurs centaines par an, et l'émergence d'une expression politique de cette demande. Et c'est finalement cette convergence qui fait que le gouvernement avance. Deuxième exemple, ça a été l'époque où Brice Lalonde était au ministère, mais il y avait eu un contingent, c'est le moment où les Verts montaient, et où Mitterrand finalement chargeait Brice d'essayer de contenir cet accroissement. Et je pense que ceux des anciens se souviennent de ce que les médias mettaient en scène, ce conflit entre Rechter et Lalonde, et je pense que ça a largement joué dans le fait que Mitterrand laissait la bride à Lalonde, qui a pu ainsi placer plusieurs lois supplémentaires dans le Code de l'environnement. Et la dernière, eh bien c'est tout simplement le pacte de Nicolas Hulot. Là aussi, c'est tout simplement une sorte de convergence entre une démarche, je dirais, associative, portée par quelqu'un de médiatique, et en même temps une élection présidentielle où il y a une menace sur le pouvoir. Voilà, trois convergences qui permettent de faire avancer les choses. En d'autres termes, si l'on veut que le pouvoir formel et le pouvoir réel se conjuguent, il faut un rapport de force avec le partenaire pour qu'il vous respecte, mais il faut aussi, et c'est fondamental, il faut avoir une majorité culturelle dans l'opinion. Nous devons aussi être des pédagogues. Et j'espère que les 40 prochaines années, nous réussirons à être véritablement le point central du paysage politique français, mais il faut avoir privilégié la réalité du pouvoir sur le pouvoir formel. Merci beaucoup, Antoine. Ça ne peut être que du collectif. Merci. Et ma conviction a toujours été celle-là. Ce n'est que unis dans l'action que nous réussirons à construire une force politique. Merci. Je pense que du coup, la question est toute trouvée. J'allais te poser la même. Ce nous, est-ce que tu es dans le nous, t'es écolo, on sait, on a des convergences, on l'a entendu dans le forum, etc., qui est très, très intéressant. Et donc, comment on construit ce nous, comment on se bat ensemble, peut-être de points de vue différents et de places différentes, et comment on se bat ensemble pour arriver à ces objectifs, comment? D'abord, je pense qu'il faut du nous. Ça me paraît une évidence, même si on peut ne pas être d'accord sur des choses, y compris des choses importantes. Mais je voudrais redire ce que je disais tout à l'heure, qui me paraît aujourd'hui essentiel et qui va dans la ligne de ce que disait Antoine il y a un instant. Si nous ne rendons pas l'écologie désirable à une majorité de la population, nous n'y arriverons pas. La pédagogie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de convaincre, il s'agit de donner envie. De donner envie et de donner envie, je dirais, au plus grand nombre de gens possible. De donner envie, bien sûr, aux associatifs, c'est ce qui est le plus proche de nous et sans lesquels on ne peut rien faire. On va en parler dans la table ronde suivante. Voilà. Mais aussi de donner envie au monde économique. L'économie sociale et solidaire, c'est très important, mais il n'y a pas que cela. Et entre le CAC 40 et l'économie sociale et solidaire, il y a tout le tissu économique dont nous avons besoin et qu'il faut absolument, avec lequel il faut absolument travailler. Parce que nous avons besoin de développer l'économie, nous avons besoin de développer de nouvelles industries, d'aller sur le nouveau monde, sur la troisième révolution industrielle. Tout ça, nous n'allons pas le faire avec tous ceux qui ont intérêt au maintien du vieux monde, mais avec ceux qui ont intérêt au changement. Et donc nous avons besoin de ces nouvelles technologies, nous avons besoin de tous ces jeunes qui sont en train d'inventer un nouveau monde et une autre manière de travailler, de produire. Et je crois que c'est vraiment fondamental que nous
voyons comment nous pouvons nous intéresser à eux, comment nous pouvons essayer de réfléchir avec eux, de manière à intégrer complètement dans les propositions que nous faisons ce qui leur va. Parce que c'est en construisant cette espèce de contre-pouvoir du nouveau monde contre le vieux monde que nous pourrons gagner, non seulement gagner politiquement, mais je dirais que ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est que nous changions les choses matériellement, concrètement. Tu as raison, Antoine, tu dis qu'il y a le vrai pouvoir et le faux pouvoir. Mais compte tenu de ce qu'est la mondialisation, compte tenu de ce que sont aujourd'hui les rapports de force, ce n'est que dans une mobilisation de toute la société civile sous toutes ses formes que nous arriverons à rétablir un équilibre et à aboutir aux objectifs qui sont les nôtres. Sinon, c'est du rêve. On ne le fera pas, on restera dans des années. Des alliances ou pas d'alliances partisanes, mais ça ne comptera pas, ça ne pèsera pas. Voilà, pour moi, le vrai travail de nous, c'est comment on travaille avec toute la société pour rendre l'écologie souhaitable, désirable, aimée par chacun de nos concitoyens. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on aura gagné. Pas pour nous, mais pour eux. On a bien tous suivi, alors vraiment tous, là, je peux dire, la création du Front démocrate. On s'est demandé si, pourquoi c'était pas le Front écolo. Et donc la question, c'est voilà, pourquoi le Front écolo, c'est pas nous tous, et pourquoi le Front démocrate, c'est pas le Front écolo, et tout ça. Mais je sais que tu as une réponse. Là, je m'excuse. Vas-y. Je crois que dans la situation dans laquelle nous vivons, au niveau que ce soit national ou international, même si la question écolo, environnementale, le changement climatique sont des questions absolument centrales, la question démocratique me paraît encore plus centrale. Et à ce niveau-là, vu ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre propre pays, une situation où ce qu'on appelle l'espace réactionnaire a repris du poil de la bête depuis maintenant des mois, si ce n'est si ce n'est plusieurs années. À ce niveau-là, nous ne vivons pas... La démocratie n'est pas un système inné, ce n'est pas un système à jamais bâti. Nous devons travailler à cela, mêler démocratie et après développement durable, économie circulaire, écologie politique, défense de l'environnement. Non, on a dit qu'on ne suffisait pas, sinon on s'arrête. Mais il est normal que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Totalement normal. Y compris chez nous. Et même chez les Verts entre eux, il est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Sinon, il n'y aurait pas de débat. Ce que je défends aujourd'hui, c'est de voir comment dans la République française, laïque et républicaine, on arrive à construire de vraies transformations publiques de la société. Même de penser, ne serait-ce que l'état des choses peut être transformable. Aujourd'hui, nous avons affaire dans notre société à un front des refus tout azimut. Je prends un exemple. Un exemple qui est frappant et qui peut permettre peut-être à la fois des convergences, mais aussi des convergences. J'entends ici ou là qu'il existe des grandes associations, des grands regroupements contre les grands projets inutiles. Je dis et j'affirme que dans les grands projets inutiles aujourd'hui, il en existe et certainement très utiles. Je ne parle bien évidemment pas de Notre-Dame-des-Landes, mais quand je parle de grandes infrastructures ferroviaires, quand je parle de grandes infrastructures par rapport à la gestion des déchets, à la gestion de l'eau, il nous faut donc construire aussi des infrastructures. Et faisons attention à cela. Ne participons pas en tant qu'écolons à tous les fronts de refus. Tout ce qui bouge n'est pas vert, pas forcément. On doit prendre en compte en tant que politique ce qu'on entend dans la société. Et en cela, tu as raison, Corinne. On doit écouter ce qu'on appelle de manière impropre la société civile. Mais tout ce qu'ils disent n'est pas forcément valeur d'évangile, parole d'évangile. On doit analyser cela, le rôle des politiques, et d'être responsable. Et si les gens ne sont pas contents des politiques, ils les virent. C'est ça la démocratie, c'est ça les élections. Donc je le dis, à ce niveau-là, démocratie. Et après, on voit comment on monte. Et je le dis, je termine là-dessus. Je pense que notre pays a besoin d'un front républicain dynamique. Dynamique dans lequel les écolos doivent prendre toute leur place. Tous les écolos, toute leur place. Mais ça ne suffira pas. Je pense que nous devons créer de nouvelles majorités dans ce pays et permettre à notre société d'avancer. Redonner de l'espérance à nos concitoyens. Ils en manquent, ils sont désabusés, déstabilisés. Il y a dans les corps intermédiaires, au niveau syndical, au niveau associatif, au niveau politique, un désabusement généralisé, un refus même de responsabilité et de refus de l'autorité des responsables. Et oui, c'est la réalité dans laquelle nous vivons, pas celle quand on est dans le processus de cercle concentré, mais celle de la réalité, de la déstructuration généralisée de ce qu'on appelle le lien social et le corps social.
Voilà, merci. Je l'ai dit, merci. Plaisir de te voir aussi en forme, alors qu'on a eu un débat hier sur faut-il en finir avec le Front Républicain, mais on t'enverra le compte-rendu, et puis on en redébattra l'année prochaine. Alors Catherine, les Verts mondiaux dans tout ça, quel avenir, quelle convergence, quels enjeux? Je pense que, en réalité, en 3 minutes, là où on en était resté, c'est-à-dire la naissance d'une famille internationale qui ne pensait pas que la solution miracle était la croissance, et que le bonheur, j'allais dire, ne passait pas par toujours plus de productivisme, Sao Paulo, Dakar au passage, mais depuis évidemment un contexte international profondément bouleversé, puisque nous avons vu l'écroulement total des modèles économiques autour de nous, la pression dont je parlais sur les ressources naturelles qui est devenue maintenant une véritable course internationale qui donne lieu évidemment au mieux, entre guillemets, à la privatisation de toutes ces ressources, y compris l'eau, au pire, à des conflits généralisés. La marchandisation est devenue la règle partout sur la planète, que ce soit de la santé, du public, de l'éducation, de l'eau, du vivant, vous en rajouterez bien plus que moi. Alors, un certain ordre international qui existait, aujourd'hui, j'allais dire, le désordre planétaire. Et face à ça, Jean-Luc, ce n'est pas notre contestation, ce n'est pas notre refus qui dérange, c'est nos réponses. C'est nos propositions, parce que face à ce contexte international, face à cette dégradation planétaire depuis 10 ans, nos réponses sont devenues de plus en plus les réponses les plus précises, les meilleures à apporter, et elles dérangent. Elles dérangent les systèmes établis, elles dérangent les familles politiques traditionnelles, les courants de pensée traditionnels qui se défendent. Ils se défendent de plusieurs manières, avec, j'allais dire, une double violence. La violence évidente, on assassine Chico Mendes, le Rainbow Warrior, notre secrétaire général des Verts au Rwanda pour des questions démocratiques, mais la violence la plus grave face à l'émergence de notre mouvement politique et la résistance face à ce mouvement des courants de pensée traditionnels que sont la social-démocratie et les autres, c'est de manière très subtile les systèmes politiques, les systèmes électoraux. Ici, on est plusieurs dans cette salle à se souvenir, en 89, les Verts, en Grande-Bretagne, ont fait 15%, et avec 15%, zéro élu. Donc, je peux m'étaler et vous citer des milliers d'exemples sur la différence de ces systèmes électoraux et du mode de financement. C'est plus facile à Taïwan, quand on a du financement public, qu'aux États-Unis, où évidemment, si on n'a pas derrière soi les multinationales, on ne peut pas faire émerger une famille politique. Et face à ça, évidemment, moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cet enjeu-là, cet enjeu de démocratie, cet enjeu de représentation politique différente, parce qu'évidemment le système actuel nous conduise à des coalitions qui brouillent notre image, qui rendent notre identité de plus en plus floue. Alors l'enjeu, pour 10 ans, il est simple, il est pour nous, non pas seulement de décider qui sera candidat aux prochaines régionales, mais bien, d'arriver à créer un nouveau chemin qui sorte des sentiers battus, rebattus de l'offre traditionnelle, de prouver, d'ailleurs, cette offre traditionnelle qui est entre le capitalisme et la social-démocratie, en réalité, bien sûr, elle diffère sur les fruits de la croissance, mais elle est vraiment unique dans son mode d'appréhension du productivisme et de la croissance. Donc pour nous, l'enjeu sera bien celui-là, et si j'ai une phrase pour conclure, et là, évidemment, j'aimerais qu'on puisse en débattre et répondre, mais la défense de l'environnement peut être utilisée par ces familles classiques politiques comme une mesure cosmétique, comme un moyen, dirons-nous, de faire du reverdir, de repeindre. Mais moi, ce que je voudrais vous dire et vous réaffirmer, c'est que l'écologie politique n'est ni soluble dans le capitalisme, ni dans la social-démocratie. Et que ce soit dans le monde... Alors, c'est le moment de passer le témoin à Alexandre.
Alexandre Jurado, qui travaille au bureau exécutif sur les associations environnementales, en lien avec elle, et donc qui va animer cette deuxième table ronde, et je vous retrouve juste après avec Cécile Duflot, Éric Piolle et Emmanuel Cosse, déjà parlé, avec Pascal Durand. Je confonds le secrétaire national. Bon, bien bonjour, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, je m'appelle Alexandre Jurado. Et je voulais vous dire, avant de commencer, un tout petit mot, ce qui est, vous avez des témoins qui, par leur fonction, leur responsabilité, ont joué un rôle dans l'écologie politique, mais cette plénière, elle n'aurait pas de sens sans vous. C'est-à-dire que vous, nous tous, dans nos régions, dans nos communes, dans nos groupes locaux, si nous sommes à Europe Écologie des Verts, dans nos associations, dans les AMAP, dans les territoires en transition, dans toutes ces gestes du quotidien, on a construit ces 40 ans. Donc je crois que cette plénière, plus que toute autre, c'est une plénière qui est celle des 40 ans de nous tous. Et je tenais à vous le dire avant de commencer. Michel Arrivasi. C'est un mythe, c'est une réalité. Comment vous avez vécu ça? Et puis, est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? Et la deuxième question, c'est sur l'avenir, sur la manière dont vous voyez les choses. J'aurais commencé par quoi, Michel, qui a vécu dans deux vies différentes, hein, une dans le secteur associatif, une autre dans le politique. Attends, je vais m'asseoir là-bas. Vas-y. Bon, alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que ma première vie, enfin j'ai plusieurs vies quand même, hein. C'est ma première vie, elle était prof d'IUFM, donc professeur scientifique, normal sup, et je formais des enseignants sur la didactique de la vie. Puis moi, le déclencheur, c'est Tchernobyl. 26 avril 86, on en parlait dans les 40 ans, où là, mensonge d'État, terrible, lobby, monopole de l'information vis-à-vis du fameux SCPRI, Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, ce fameux PELRA. Et là-dessus, franchement, en dehors du GSIVEL, avec Monique Sédé qui est venue d'ailleurs animer à l'atelier, on n'avait pas du tout accès à l'info. Et là, ça a été le démarrage par rapport à un groupe de citoyens de créer le premier laboratoire indépendant de mesure de radioactivité. Et ça montre bien que lorsqu'on s'organise, on peut créer un outil, et ça a été quand même, pendant 20 ans, un passage de ma vie très difficile, parce qu'il a fallu 20 ans pour montrer, preuve à l'appui, qu'on avait menti à la population française. Mais maintenant, c'est inscrit dans les neurones des Français. Hein, quand on leur parle de Tchernobyl, ils pensent toujours au nuage de Tchernobyl bloqué aux frontières. Mais au bout d'un moment, au bout de 20 ans de fonctionnement au niveau de la CRIRAD, j'ai été souvent auditionnée à l'Assemblée nationale, et notamment par rapport à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Et je trouvais qu'il y avait une condescendance vis-à-vis du monde associatif qui m'a profondément vexée. Je me suis dit, comment des mecs aussi cons, comment des élus aussi pourris par le lobby, que ça soit RPR à l'époque, que ça soit Parti Socialiste, où on déléguait à certains
nous-mêmes du nucléaire et ces gens-là parlaient pour nous. Et nous, ils nous invitaient parce qu'il fallait une caution associative. Eh bien, j'avoue que je me suis dit, il faut faire de la politique. Et moi, c'est ça qui m'a motivée. Et je le dis aux associations, à un moment, il faut franchir le pas. Il est hors de question de déléguer les problèmes environnementaux, les problèmes de santé, les problèmes de biodiversité à des élus qui ne nous représentent plus. Et moi, je vais beaucoup plus loin, on va parler de l'avenir. C'est qu'il faut qu'on devienne complètement autonome. Les vieux systèmes UMP-PS sont complètement désuets. Le logiciel est complètement dépassé. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, rendre hommage à tous ces lanceurs d'alerte, à tous ces héros ordinaires qui ont fait le parti écologiste. Tous ces gens, tout à l'heure, on a parlé de Solange Fernex. Il y a eu un film, je vous encourage à aller voir ce film, parce que c'était une femme remarquable, que ce soit sur le nucléaire, le féminisme, le tiers-mondisme, il y avait déjà toutes les valeurs de l'écologie. Mais il y avait aussi, il y a notre André Sticolella qui a été lanceur d'alerte. Il y a Gilles-Éric Serrani aussi. Et le parti en est truffé. Et tous ces héros ordinaires, et lorsqu'on fait les campagnes, et notamment sur la campagne européenne, et les campagnes municipales, les campagnes régionales, on s'appuie sur ce terroir qui est extraordinaire en France. Mais le parti n'y pense pas assez, il y a trop de coupeurs de tête dans ce parti politique. Et je vous fais, et je demande au parti, à l'heure actuelle, je prends un exemple concret, on a la loi sur la transition énergétique, on ne va pas y arriver tout seul, même si on a des députés hyper performants. Il faut qu'on mobilise la société civile. Il faut qu'on mobilise les associations. Il faut qu'on fasse des états généraux dès début octobre pour montrer à ce gouvernement, comme on a réussi sur les gaz de schiste, qu'il y a une pression populaire pour qu'il y ait réellement une transition énergétique. Hier,
un crime contre tous les grands animaux pour s'emparer d'un peu d'ivoire, d'un peu de corne, d'un rhinocéros, etc. Et toute cette consommation, surconsommation de la nature ne fait que nous dire pour les matières premières, par les commodities, nos propositions pour le poisson, etc., un certain nombre de certifications mondiales qui sont des certifications qui démontrent qu'on n'attaque pas l'environnement. Par exemple, sur le soja, de certifier qu'il ne déforeste pas la forêt tropicale ou équatoriale, pareil sur le soja, etc. Donc nous essayons de mettre des outils, mais sans les politiques, on n'y arrive pas. Et sans le Parti Vert, on n'y arrivera pas. Je n'ai que trois exemples. Nous travaillons étroitement avec vos élus sur la transition énergétique et notamment sur le problème du nucléaire, le problème du financement, du démantèlement du nucléaire. Moi, j'aime bien les gens de Greenpeace qui disent qu'il faut fermer, mais avant de fermer, il faut pouvoir démanteler. Donc, alors moi, je cherche où est l'argent. Alors avec mon ami Denis Baupin, qu'il faut vraiment féliciter, on essaye de retrouver cet argent pour pouvoir démanteler le nucléaire, qu'on en finisse avec le nucléaire partout. Nous travaillons beaucoup sur la loi sur la biodiversité qui va sortir pour essayer de faire quelque chose qui en France fonctionne bien sur la loi sur la biodiversité. Et je voudrais remercier tous les élus européens verts qui nous ont beaucoup aidés pour essayer d'arrêter la pêche au chalut en eau profonde. Et là, merci à vous. N'imaginez pas ce que cette pêche est un massacre pour la biodiversité marine. On passe des chaluts sur des coraux qui ont 1500 ans, on pêche des poissons qui sont sexués à 30 ans. Alors comme personne n'est venu, c'est une pêche miraculeuse, mais c'est un drame. Et nous avons 10 bateaux en France qui font ça, dont heureusement maintenant ceux d'Intermarché ont pu le faire. Et il y a à Boulogne, et là, je l'ai dit d'ailleurs à certaines personnes, et je l'ai écrit dans le monde, on a un ministre de la mer qui est maire de Boulogne. Donc lui, il ne protège pas les poissons, il protège les pêcheurs. Il n'a pas compris que sans poissons, il n'y a pas de pêcheurs. Bon, ben voilà, nous avons travaillé avec vos élus pour faire prendre conscience aux autres élus qu'on ne pouvait pas continuer à faire de ce type de vie. Merci. C'est l'exemple type de la jeunesse qui se bat, qui combat. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai été frappé par son dynamisme, par l'envie d'y aller et de se battre. Alors Flore, toi, tes relations avec les partis politiques? Moi j'ai moins de recul, j'ai un parcours plus bref que mes deux prédécesseurs, et pourtant j'ai déjà ressenti ce sentiment d'être la caution associative dont parlait Michel. En plus de parfois être la caution féminine et la caution jeunesse. Je suis invitée en tant que représentante d'une association environnementale traditionnelle bien installée qui s'appelle Zero Waste France, anciennement le Centre national d'information des demandes sur les déchets, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui travaille sur le noble sujet de la réduction des déchets et de la préservation des ressources. Mais j'ai aussi une autre casquette. Je suis aussi partie des cofondateurs d'un collectif qui s'appelle Wishare, qui travaille sur l'économie collaborative. Et donc j'ai un peu finalement deux points de vue sur cette question que tu poses. La première, c'est donc celle d'une association officiellement apolitique, donc qui garde ses distances avec les élus. Tous les partis, y compris le vôtre, une association un peu apolitique, mais finalement, dont le métier principal, c'est de faire du plaidoyer, du lobbying. Donc ça peut paraître un petit peu contradictoire. Et là, finalement, les relations sont assez bien cadrées dans le cadre d'une association qui fait du plaidoyer. On discute beaucoup avec les partis, surtout au niveau national. Alors, ça n'empêche pas que parfois, il y a des mésententes, des incompréhensions, que parfois il y a de la méfiance envers nous, comme si on était un lobby comme les autres. Alors, j'ai quand même le sentiment qu'on est un lobby un petit peu différent, puisqu'on ne défend pas des intérêts économiques privés. Mais dans l'ensemble, il y a du dialogue. Et ça, c'est quand même le plus important. Donc les idées passent dans un sens comme dans l'autre, et surtout depuis 2-3 ans, elles passent quand même beaucoup mieux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous, on peut parler de zero waste, donc c'est
projet qui met en avant un objectif zéro déchet, zéro gaspillage, alors qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas du tout en parler. Et donc, c'est sans doute beaucoup en partie grâce aussi aux élus écologistes. Par contre, au niveau local, je suis un petit peu plus inquiète peut-être, parce que j'ai l'impression que les situations sont très variables, que parfois il y a une vraie entente, un vrai dialogue entre les élus locaux et les militants environnementaux locaux, d'associations locales, et puis parfois c'est le divorce total. Et même moi, pendant ces journées d'été, j'ai pu sentir qu'il y avait parfois de la méfiance, notamment quand on parle de ce projet Zero Waste, Zero Déchet. De la méfiance de la part du politique. De la méfiance de la part du politique, qui peut parfois se sentir agressé par les assos environnementales, parce qu'on a un discours qui est parfois véhément, hein, même s'il évolue aussi ce discours. Et ça, c'est dommage. Enfin, dommage qu'il y ait une méfiance, dommage qu'on ne puisse pas travailler à affiner les propositions, justement, à les rendre plus pertinentes, peut-être plus réalistes. Parce que nous, on n'a évidemment pas l'expérience de la gestion d'une commune, d'une collectivité. Donc voilà, ce dialogue, c'est pourtant indispensable. Et le deuxième point de vue, très rapidement, donc le point de vue d'un collectif qui finalement est ultra politique dans ces discussions, dans ces débats, mais qui est totalement désabusé du politique. Enfin, en tout cas, la plupart des membres de ce collectif sont déçus quand même des politiques, et généralement ils mettent un petit peu tout le monde dans le même sac, tous les partis dans le même sac, ce qui est sans doute dommage, mais pourtant je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que nos idées, nos valeurs, elles nous rapprochent vraiment beaucoup d'Europe Écologie Les Verts. Par exemple, au cœur de nos discussions, il y a la question de la préservation de l'enrichissement des communs, il y a la question de la réappropriation des savoirs, des techniques, il y a la question des modèles de transition, etc. Donc, comment on remédie à ça? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de dialogue. Comment on remédie à ça? Je pense que c'est en vous invitant à partager nos réflexions, nos discussions, nos débats. Alors tout à l'heure, c'est Corinne Page, je crois, qui parlait de la fracture entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est rigolo parce que c'est une terminologie qu'on utilise beaucoup, en fait, et qui témoigne un petit peu du sentiment d'isolement qu'on peut ressentir. Alors je voudrais prendre deux exemples de sujets sur lesquels vous pourriez réfléchir avec nous. Le premier, c'est celui du numérique. Parce qu'il y a quelques années, je pense que les Verts étaient un peu en pointe sur cette réflexion-là, cette réflexion sur les enjeux, sur les impacts du numérique, parce qu'il n'y avait pas, de la part des Verts, une opposition frontale sur la question du numérique. Il y avait une volonté de comprendre, il y avait une volonté d'amener des valeurs, de défendre des modèles, comme celui du logiciel libre, par exemple, et qu'aujourd'hui, on est en train de perdre un petit peu ça, je pense. Et donc, ce serait dommage, parce que pourtant on est dans un moment encore plus crucial qu'il y a quelques années. Et puis le deuxième sujet, c'est celui du travail, parce que un collectif comme Wechal est représentatif des évolutions du travail aujourd'hui, de la fin du salariat entre autres, et qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble au modèle suivant et à des modèles de solidarité qui conviendront à ces nouvelles formes de travail. Merci. Je vous renvoie. De censurer. Alors, je renvoie quand même l'audience, les auditeurs sur Internet, où il y a d'excellentes vidéos de Flore parlant du problème qu'il vient de traiter. Bon, Marc, on s'est croisé plusieurs fois parce que j'ai quelqu'un qui a longtemps été chez nous, chez les Verts. Donc, le réseau de la transition écologique, bon, la question que j'ai posée, tu peux aussi y répondre. Alors c'est le réseau de la transition, pour la transition énergétique, le clair est bien fait. Là, mais mon lapsus, c'est révélateur. Toute transition est d'abord écologique. Bien entendu. Alors le clair, c'est un réseau qui existe depuis maintenant 30 ans, même date d'anniversaire qu'on a fêté mon 30 ans en AG il n'y a pas longtemps. J'en suis vice-président depuis une dizaine d'années maintenant. Mais justement, sur la question de la rapport entre le politique et l'associatif, j'ai un peu le parcours inverse de celui de Michel.
Moi, je fais partie de la génération des années 70 dans les lycées où j'ai appris le fonctionnement du nucléaire suite à la lecture du livre de Bernard Laponte sur l'électronucléaire en France, que je tiens à féliciter aujourd'hui. Alors, à titre personnel, il a décidé de ma vie, j'ai déjà dit plusieurs fois, il ne prend pas l'autre, tout à fait de moi, tu l'as décidé de ma vie. Il a aussi décidé d'une génération, enfin, en tout cas de l'avenir politique d'une génération, qui a débouché sur la création des Verts bien plus tard. Et j'ai participé à tout ce mouvement-là. J'ai même été secrétaire régional de la région Rhône-Alpes et j'ai été élu dans la vague verte et Génération écologique de 92, dont j'ai siégé parmi les premiers élus régionaux. Et puis, parce que pour moi, il fallait qu'il y en ait qui le fassent. C'était une nécessité. J'étais d'une culture, on va dire, plutôt politisée que associative. Il fallait le faire, simplement, c'était pas mon truc. Je me suis fait un peu couper la tête pour la faire vite. Ce qui m'a renvoyé à un sujet qui est pour moi, qui a une longue partie de ma vie, c'est l'énergie, dans les aspects économie d'énergie, dans l'aspect énergie renouvelable. Et donc, j'ai trouvé dans le clair à cette époque-là, enfin, quelques années plus tard, après avoir créé une structure professionnelle, associative, en économie sociale et solidaire, un réseau de réseaux, en fait. Alors, c'est pas une ONG au sens classique du terme. Le clair est un réseau de structures associatives, de collectivités locales, d'entreprises, hein, mais qui sont, c'est pas des personnes physiques, c'est ça que je veux dire, c'est pas comme une ONG classique. Voilà. Et donc qui, depuis 30 ans, se bat pour faire passer, en fait, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque la transition énergétique. D'ailleurs, si on a choisi le nom, c'était le comité des énergies renouvelables, et le choix de la transition énergétique, pour nous, c'était un affichage important. Et ce clair, on est des gens de terrain, on est même en Pampouille, on travaille énormément avec les élus locaux, en fait, tout le monde le sait, les associations du clair dans ma région Rhône-Alpes, c'est particulièrement structuré pour des raisons, justement, de lien qui s'est fait très tôt entre la branche politique et la branche associative. On est professionnels, on est à ça comme ça, mais un peu partout en France, on travaille beaucoup avec les élus locaux, dans les villes, dans les campagnes. On est par exemple à l'origine du réseau TEPOS, les territoires énergie positive, qui de mon point de vue sont une réponse très concrète, on pourrait appeler des villes en transition, sauf que là, ce ne sont pas des mots, ce sont des élus qui sont des agriculteurs, des gens qui travaillent dans par exemple en Bretagne, dans une zone qui est très proche de Leclerc, avec des cochons, etc. Il y a des projets qui se construisent dans les territoires avec la population locale. Ça vaut dans les campagnes, donc on travaille aussi avec les grandes villes, évidemment. À Mans, par exemple, le réseau des villes fait partie du Leclerc, donc c'est un réseau de réseaux. Et donc le travail, très concrètement, il continue aujourd'hui de manière très très active. Alors ça commence avec le problème de l'environnement. Alors ce que je veux dire au clair, c'est qu'il ne peut pas attendre que les Verts aient le pouvoir et soient la majorité culturelle ou politique pour avancer. Il a fallu travailler avec des majorités de droite, de gauche, du centre, etc. Et on continuera à le faire en tant que... c'est un peu la différence. Mais c'est vrai qu'avec le problème de l'environnement, on a beaucoup appris de choses dans le monde des ONG en général. On a servi un petit peu de relais techniques sur les aspects énergie et climat, parce que chez les écolos, tout le monde est contre le nucléaire, tout le monde est pour les renouvelables. Et quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, du coup, on fait le lien avec la réalité concrète de tous les jours, donc les aspects économiques, les questions de formation, les questions de mutation professionnelle, avec les syndicats, par exemple. Donc, ça a commencé dans le volet. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un débat sur la transition qui est venu donc, l'année dernière. On a là, je peux en témoigner de manière assez directe, puisque j'ai été représentant du nucléaire dans tout ça. On a pu travailler au sein des ONG. Leclerc a pu fédérer avec l'ORAC aussi, dont je suis aussi un des fondateurs de Réseau Action Climat, qui est aussi qui a une relation avec les Verts historique très proche en termes de personnes, mais ont pu amener cette compétence très, très pointue, très compliquée aux sources ONG beaucoup plus généralistes comme VVF, comme FNH, FNE, etc. Et on a pu construire notamment avec les élus verts, les parlementaires verts qui ont été très présents, et aussi les élus régionaux verts. Et d'ailleurs, c'est un des points qu'on a eu dans ce débat sur transition. Il y avait des Verts de partout, il y avait des élus, c'était pratiquement que des Verts. Dans les associations, c'était pratiquement que des gens qui avaient des parcours proches des Verts. Je citerai Michel Marie Sarditi, par exemple. Voilà, on a une vraie difficulté qui est commune aux Verts et aux associatifs ou aux professionnels, c'est de sortir du cercle de ce qui est encore aujourd'hui les convaincus, alors qu'on a des arguments, à mon avis, qui sont les plus solides qu'on puisse imaginer, pour dire que le seul vrai projet de sortie de crise, des crises par le haut, c'est celui de la transition énergétique aujourd'hui. En tout cas, il y a un super engagement. Vous avez vu qu'on n'a pas d'oreiller. On m'a expliqué que le temps était pris, enfin il fallait comprimer le ballon. Moi je voudrais remercier particulièrement la présence de Tchèque ici, parce que Tchèque, tu nous as fait le plaisir et l'honneur de venir, et moi je suis assez fasciné
par le mouvement Alternativa, parce que ça me rappelle l'hiver des années 80, avec un bouillonnement d'idées, de gens qui gravitent, qui veulent faire des choses. Alors parlez-nous un peu de cette dynamique, de la manière dont vous allez continuer. Ben voilà, je vous donne la parole pour nous dire quelque chose, quelques mots sur Alternativa. Bien, bonjour à tout le monde, bonsoir. Et merci de votre invitation. Donc, je vais me présenter très rapidement Alternativa et intervenir dans le débat. Alternativa, donc, c'est le nom du village des alternatives au changement climatique et à la crise énergétique. Et c'est aussi le nom des processus participatifs citoyens qui organisent ces villages. En fait, il y a eu une Alternativa qui s'est organisé à Bayonne en octobre dernier suite à la publication du 5e rapport du GIEC sur le changement climatique. Et donc ça a été quelque chose, un gros succès, puisque dans une ville de 40 000 habitants, ça a rassemblé 12 000 personnes, ça a été monté par 583 bénévoles. Et parmi la centaine d'intervenants qu'il y avait dans ce village des alternatives, il y avait quelques noms qui doivent vous être connus, puisqu'il y avait Eva Joly, José Bové, Peggy Canstal, etc. Ce village a démarré un processus qui a été parrainé par un autre nom qui vous est connu, qui était Stéphane Estelle. Et à la fin de cette journée de Bayonne, a été lancé un appel pour créer 800 000 villages des alternatives au changement climatique. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, avec déjà plus de 41 villages qui s'organisent en France, mais également en Europe. Il y en a qui se montent en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Bosnie, etc. Et dès la rentrée qui vient, il va y avoir des villages, des alternatives à Agen, à Nantes, à Lille, à Saint-Jean-de-Luz, j'oublie des endroits, et à Bordeaux, où il y a un gros village qui se monte le week-end du 11 et 12 octobre. Il y a 95 associations et collectifs de Bordeaux qui sont en train de travailler et de participer à l'organisation de ce village. Ça, c'est ce qu'on appelle le second étage de la fusée Alternativa. Le premier, c'était créer un élément déclencheur à Bayonne pour déclencher une dynamique qui est en train de se mettre en place, et on espère qu'il va y avoir des dizaines d'autres Alternativa. Le deuxième, c'est ce processus qui va durer toute l'année 2014 et 2015 et qui met en contact des centaines, des milliers de gens qui se mettent en mouvement sur cette question pourtant ardue du changement climatique. Et le troisième étage, c'est que ces gens-là imaginent la mobilisation qu'on va monter pendant la COP21 à Paris pour arriver à peser sur les décideurs qui seront réunis à Paris par rapport à la nécessité et l'urgence d'un accord ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le climat, mais en même temps appeler les populations à mettre en route sans plus tarder la transition sociale et écologique en promouvant, en s'emparant, en renforçant toutes les alternatives au changement climatique qui existent à tous les niveaux, de la NEF aux AMAP à énergie partagée, au clair, à zéro waste, aux alternatives aux toutes voitures, au partage du travail, aux vrais éco-quartiers, etc., etc., à l'agriculture paysanne, ainsi de suite. Bon, ça c'était pour présenter Alternativa. Maintenant, donc, on m'a demandé d'expliquer ma vision du lien entre l'associatif et le politique. Et là, pour vous expliquer ma position, je vais revenir sur un propos qui a été dit dans ma première table ronde et avec lequel je n'étais pas d'accord, mais ça faisait partie du débat. C'est quand Jean-Luc Benamias dit l'enjeu le plus important à ses yeux, donc, et c'est très respectable, c'est la question démocratique. Et pour moi, c'est évidemment un enjeu énorme. Je suis d'accord avec son analyse sur la limitation du lien social, une déstructuration culturelle, etc. Mais la question démocratique, et je ne dis pas ça à la légère, moi je viens du Pays Basque, le Pays Basque est sorti d'une dictature de 40 ans en 75, et peut-être qu'on mettra de nouveau une dictature demain. Pour moi, c'est quand même pas la question fondamentale aujourd'hui. Si on doit les comparer, pour moi, il n'y a pas d'exercice de comparaison, parce que d'après moi, il y a quand même l'histoire de la crise
du changement climatique. Si un écologiste dit que l'enjeu démocratique est le prioritaire, le central, etc., c'est que d'après moi, il n'a peut-être pas bien compris ce dont il s'agit avant la crise climatique. Parce que la question de la bataille pour éviter le basculement climatique, c'est une bataille qu'on joue et qu'on ne mène qu'une fois. C'est-à-dire que le combat pour les retraites, on l'a perdu la dernière fois, mais moi je compte bien le refaire. La bataille pour la démocratie, et je vous expliquais qu'en Pays Basque, on a vécu 40 ans de dictature, mais après, il y a d'autres choses qui sont permises, et la démocratie, ça se reconquiert, ça se reconstruit, etc. Mais le basculement climatique, une fois qu'on l'aura pris dans la tête, c'est irréversible. C'est pas une bataille. Si on la perd aujourd'hui. Et c'est une bataille, on parle des 40 ans d'écologie politique. Moi, je parle de 11 000 ans d'histoire humaine qui s'y sont permis par le climat qu'on connaît, avec l'agriculture, la sédentarisation des populations, l'apparition des civilisations, etc. C'était depuis la dernière glaciation. Depuis la dernière glaciation, aujourd'hui, il y a eu un écart de 5 degrés Celsius de la température moyenne globale. Du globe, et ça s'est passé en 10 000 ans. Et là, on parle de peut-être prendre plus 5, plus 10 degrés dans les 100 ans à venir, et ça ne sera pas en 2099 que ça va se passer. Donc, pour moi, effectivement, et la dernière chose, c'est que cette bataille, si on écoute les scientifiques, ce qu'ils nous disent, elle se joue, elle se mène, elle se gagne ou elle se perd dans les 10-15 ans à venir. Et ça, pour moi, ça conditionne mon analyse stratégique des choses. Parce que, justement, dans cette question du rapport entre l'associatif et le politique, moi, je ne me retrouve jamais dans les choses... je suis dans l'associatif, je suis dans les contre-pouvoirs, dans le syndicalisme, dans l'associatif, dans l'associatif climatique. Mais je ne me retrouve jamais avec les discours « Ouais, c'est vert » ou « C'est ceci » ou d'autres politiques. D'ailleurs, ils ont été à la soupe, ils ont etc. etc. Parce que quand on a une analyse de ces enjeux et de ce calendrier, forcément, on va essayer toutes les stratégies, on va essayer de peser de toutes les manières et de gagner la bataille de toutes les manières. Effectivement, si on peut gagner un meilleur poste de responsable, de ministre, etc., on va le faire. Et là, chaque fois, il y aura, on sera devant un dilemme. Est-ce qu'on renforce la dynamique écologique, climatique, etc., en étant dans un gouvernement pour pouvoir faire actionner telle manette, mais en même temps, on sait qu'on est associé à la politique de ce gouvernement, et du coup, ça affaiblit la dynamique peut-être du parti et du mouvement écologiste à la base, etc. Et donc, à quel moment on doit y être, à quel moment on doit partir. Moi, j'ai suivi la décision des deux ministres de parti du gouvernement, et moi, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas évident. Je me disais, putain, ils ont dû vraiment, c'était quelque chose de courageux de se dire, tiens, on pourrait faire plus, mais aussi en même temps, on a tel risque d'affaiblissement politique, etc. Et donc, c'est pas évident. Et je respecte donc, et j'aurais respecté quelle que soit la décision, moi, j'étais plutôt d'accord avec cette décision de quitter ça, et je l'aurais senti comme ça, mais franchement, c'était pas évident. C'est pour ça que moi, je plaide toujours dans nos combats associatifs, etc., pour le fait de respecter chacune des formes, comme j'espère que les politiques vont respecter également l'associatif, ainsi de suite. Et pour finir, pour moi, ce qui est de très important, il ne suffit pas non plus d'être ministre, d'être élu, etc. Et même d'arriver à faire telle ou telle loi, il faut encore, et ça a été dit par la première table ronde, gagner le combat culturel, une majorité sociale favorable à ces mesures, etc. Et on l'a vu dans l'exemple de l'écotaxe. Il y a une loi qui est passée, et les gens qui se sont opposés, qui se sont mobilisés contre ça, eh bien en face, où c'est qu'on était ? Qui c'est qui s'est mobilisé ? Comment ça se fait qu'on a laissé perdre cette bataille sans au moins essayer de se mobiliser ?
Je parle de nous tous, les politiques, les associatifs. On n'a pas été capable de faire des manifs pour soutenir les contacts. En perdant une bataille aussi facile à gagner, qu'est-ce que ça voulait dire pour une bataille beaucoup plus compliquée comme celle de la fiscalité écologique en étranger? Il y a un vrai enjeu de recréer une dynamique militante qui mène aussi ce combat dans la rue, sur le terrain de mobilisation. Et avec Alternativa, c'est le pari qu'on s'est fait, c'est-à-dire qu'on veut également utiliser l'impact énorme qu'aura la COP21 en France, en Europe, chez les gens, dans l'opinion publique et dans la jeunesse de ces pays, pour faire par ce processus Alternativa émerger une nouvelle génération militante qui viendra renforcer et nous aider à gagner ces batailles qu'on ne doit plus jamais perdre. Gracias.
parler de nous, c'est-à-dire de travail. Et là, je vois des personnes et des gens qui ont envie de travailler ensemble. On a tous envie de travailler ensemble. Alors on ne pourrait pas aujourd'hui, puisque c'est les 40 ans, se faire un cadeau d'anniversaire. Et pourquoi on ne créerait pas à la sortie de ces journées d'été un comité de liaison des acteurs de l'écologie? N'a pas apporté les codes nécessairement de la politique traditionnelle.
J'en suis heureux, j'en suis fier, et ça, je n'ai pu le faire que grâce à vous et avec vous. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai absolument jamais. Voilà. Quelles que soient les conditions. Après, moi, j'ai appris du sens de la responsabilité des écolos, qu'il n'y a pas et nous n'avons pas le droit de dire aux uns ou aux autres, toi, tu dois être là, être écologiste, c'est ça, c'est d'aller distribuer les tracts, ou c'est d'aller dans des réunions le soir, ou c'est de faire dans les collectivités locales, dans les régions. On n'a pas le droit de se dire ça les uns ou les autres. On a un devoir de responsabilité en tant qu'écologiste si on croit effectivement en l'urgence. Si nous considérons que nous sommes les seuls à porter un projet de société alternative par rapport au vieux monde, aux vieilles lunes, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient de droite, qu'elles soient d'ailleurs, j'en ai rien à faire, qu'on les qualifie, nous sommes dans une situation nouvelle, avec un péril réel sur ce qui a fait notre civilisation, le vivant, l'air, l'eau, la terre. Donc si on croit à cela, et je sais que nous toutes et nous tous nous le croyons, nous avons le devoir d'agir partout où nous avons la capacité de le faire. Il faut se saisir de tous les espaces. Et les écologistes aussi ont su le faire. C'est pour ça que moi je ne veux jamais opposer le travail associatif, le travail dans les collectivités, que ce soit des oppositions, dans les majorités, au gouvernement, au parlement. Chacun doit prendre la part qui est la sienne dans chaque espace démocratique qui s'ouvre à nous. Voilà, ça c'est très très important. Maintenant, moi, on m'a donné l'opportunité de le faire à un moment comme secrétaire national. Ce mandat, je l'ai rendu aux militantes et aux militants de ce parti. Et c'est normal, on en est dépositaire à un moment, il ne faut certainement pas s'y attacher. J'ai maintenant eu la responsabilité d'être désigné parlementaire européen. Je vais continuer à porter avec conviction et force les idées d'écologie politique au Parlement européen. Merci. Si je résume, parce qu'on aurait pu faire un enchaînement comme ça avec la table ronde précédente, c'est que tu viens toi du milieu associatif, tu étais dans le pacte de Nicolas Hulot, etc. Tu es venu aux politiques, donc tu ne regardes pas. Ah non, c'est certainement pas. La réalité de l'engagement, du passage, c'est à un moment. L'opportunité, elle s'est faite pourquoi? Parce que c'est toujours la question, je trouve qu'on pose très mal, la question de savoir si l'écologie politique, et on a eu ce débat là tout à l'heure dans le Grand Forum, est-ce qu'elle est de gauche, est-ce qu'elle est, etc. C'est comment on l'a fait poser. Et ce qui a été déclencheur dans le pacte écologique, c'est qu'on a à un moment réussi à entrer en force. La Ouest Vert portait depuis des années un travail quotidien, de terrain, dans les collectivités, dans les régions, un vrai travail de fourmi. Et tout d'un coup, il y a eu une grosse mobilisation de la société qui s'est faite pour des raisons X ou Y, on s'en fout. On ne peut pas toujours analyser les mouvements, c'est comme les grandes grèves, tout d'un coup ça éclate. Et on a créé à ce moment-là une dynamique de force. C'était l'opportunité, effectivement, pour rentrer en politique et pour aller filer un coup de main à ceux qui étaient déjà en politique depuis des années. Et donc c'est comme ça que ça se passe, c'est ça qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il n'y aura pas non plus d'écologie politique dans l'avenir. S'il n'y a pas cette passerelle permanente entre la société, les mouvements sociaux, les engagements et le travail politique dans les institutions, il ne faut pas confondre les rôles. Un parti politique, ça a vocation à faire aussi de l'éducation populaire, mais d'abord et avant tout en l'état du travail dans les institutions. Mais ça veut dire que l'écologie doit marcher, et on le dit souvent sur ces deux jambes. Mais elles ne doivent pas être confondues dans le même mouvement. C'est pas le parti politique qui a vocation à donner des ordres à la société civile. Simplement, ça veut dire qu'un écologiste, il doit comprendre qu'il est à la fois dépositaire dans les institutions d'un mandat que lui donne l'écologie, mais qu'il ne peut agir qu'à partir du moment où il y a des mouvements sociaux et des dynamiques sociales qui se mettent en place. Quand les deux se rencontrent, ça donne effectivement Europe Écologie des Verts, ça donne des résultats exceptionnels, ça donne des écologistes qui se rassemblent et qui gagnent. Merci. Cécile Duflot, qui n'était pas à la ligne de Clichy de 1984, non pas parce qu'elle n'avait pas été invitée ou que la lettre n'était pas arrivée ou que le fichier n'était pas bon, mais qui a rejoint les Verts un petit peu plus tard, et ça ne l'a pas empêché de marquer ce parti, de marquer encore aujourd'hui. Et donc, après avoir entendu là ces deux tables rondes, 40 ans d'écologie. Point d'interrogation. Alors, en fait,
25 ans. Sans la cuillette. Et je voudrais leur dire que là, vous voyez, vous êtes jeunes, et qu'en fait, on devient vite un ancien combattant, genre moi, sans s'en rendre vraiment compte. Et en fait, il y a 10 ans exactement, peut-être que là certains s'en souviennent, nous fêtions les 20 ans des Verts dans une sorte de grande tente au Cabaret Sauvage. Et on avait choisi pour animer la fête de ces 20 ans Jean-Luc Benavides. Et Jean-Luc avait beaucoup de talent, il savait faire ça très bien, mais bon, on est quand même chez les écolos, donc il fallait la parité. Donc on a désigné une membre totalement débutante du collège exécutif, qui ne faisait pas vraiment d'ombre et qui n'était pas très embarrassante pour être à côté de lui. Et en fait, ça collait Jean-Luc, on lui collait la jeune pour faire la parité. Et donc il n'arrêtait pas de bouger partout son animation, et mon seul travail c'était d'essayer de lui courir après derrière pour tenter de placer un mot de temps en temps. Je veux dire ça pour faire un clin d'œil à tous les anciens secrétaires nationaux. Pascal qui est à côté de moi, qui vient de faire l'éloge de son engagement, mais qui m'a dit un jour dans une péniche que jamais de la vie il prendrait une carte dans un parti politique. Je suis quand même très triste de constater que pour un mort, il se porte très très bien. Je dis parce que, et donc j'ai son autorisation, après être descendu de la tribune tout à l'heure, Jean-Luc a dit dehors, non mais c'est cool, je pensais que j'allais faire siffler, mais en fait beaucoup moins quand j'étais secrétaire national. Et je vais donc en profiter pour faire plus, faire un clin d'œil à tous les anciens secrétaires nationaux. Yann n'est plus là. Et il faut quand même que vous sachiez que Yann Berlin, donc un ami de Nathalie Kosciusko-Morizet aujourd'hui, et quand même l'homme avec lequel j'ai passé la première nuit, ma première nuit secrétaire nationale. Dans une tente rouge au bord du canal Saint-Martin. Avec les enfants de Don Quichotte. Et que ça aussi, ça laisse beaucoup de souvenirs. Et donc c'est quand même étonnant de voir tous ces gens qui ont aussi eu des histoires différentes. Et donc je voudrais vous demander, je vous demande pas souvent des trucs, hein, surtout ces temps-ci, je fais mes affaires toute seule sans vous demander votre avis, je sais que ça agace certains, mais bon. Pendant 11 ans, je ne l'ai pas fait, donc vous m'accorderez une fois de temps en temps. Je voudrais que vous applaudissiez vraiment beaucoup Emmanuel Coste, parce que on dit c'est difficile en ce moment, elle a un rôle difficile. Je crois qu'on peut dire que c'est toujours difficile d'être secrétaire national du parti, mais c'est ultra formateur. Il n'y a pas deux formations comme ça dans le monde. Et après, tout est possible, Emma. Donc merci beaucoup de tout mon cœur. Alors, je voudrais dire aussi que, bon, il y en a qui l'ont vu pour la première fois, mais il y en a certains qui ont vu le film, là, qu'on a vu tout à l'heure, environ 250 000. Donc peut-être un jour, on va pouvoir se renouveler, mais je pense qu'il manque un film. Il manque celui des 40 ans de l'écologie de la Lose. Parce que moi, mon premier souvenir, celui qui m'a empêché d'adhérer au Vert en novembre 2000, c'est le visage de Jean-Luc Benavides, le même, qui quittait l'Assemblée, le Congrès de Toulouse. Je pense que s'il avait pu pleurer, il aurait pleuré avec une espèce de tremblement dans la voix en disant « c'est des dingues, j'en peux plus, je craque, je me barre ». Et moi qui étais sympathisante, qui adorais le groupe local, je me suis dit « oulalalala, ça me paraît pas sympa comme endroit ». Et il y en aurait plein des histoires à raconter comme ça, parce que si je suis franche, puisque j'ai le droit en ce moment, alors rassurez-vous, je ne vais pas écrire de livre sur mon expérience au secrétariat national. À cet instant, j'en veux sans rassurer. Mais c'est que, en fait, je suis pas sûre que ceux qui à Clichy, ou même dans cette fameuse nuit que Rodin Montaigne nous racontera, qu'il a passé avec André Buchmann entre les 10 du Parti écologiste et les 10 du mouvement de l'écologie politique, ils se disaient que 40 ans après, on en serait là. Je pense qu'ils espéraient qu'on irait plus vite et plus loin. Ils avaient raison. Et pour moi, c'est ça notre interrogation et c'est ça la suite de l'histoire. Pourquoi on n'est pas allé plus vite et plus loin? Et forcément, on a tous, chacune, chacun d'entre nous, une part de responsabilité. Et c'est une certitude, mais je pense que ça n'est jamais fichu. Parce que moi, j'ai été traumatisée, je le dis, par un article juste quelques jours avant la formation du gouvernement, après la victoire de François Hollande, avec toutes les organisations
proche de nous, écolo, qui disait en fait ce qu'on veut, c'est un socialiste au ministère de l'écologie, parce qu'on veut un mec ou une nana qui pèse et qui va être entendu et parler. Je pense que certains en sont revenus depuis, mais moi ça m'a à la fois choquée, blessée, et je me suis dit que parfois, nous nous auto-limitons. En fait, Yves, je te regarde, c'est cochet, comme je sais que tout à l'heure tu vas faire les blagues, je fais la cochettiste à cet instant. Vous ne m'attendiez pas en mode un peu déprimé, donc je me fais un mix cochet durant en fait. Mais parce que j'ai envie que ça s'arrête. Alors, c'est pas un hasard, mais c'est un hasard normal. J'ai assisté grâce à Hamza El Kosfiti au débat sur écologie et religion. Et il y avait le rabbin de Bordeaux qui a expliqué que 40 ans, c'était un chiffre hyper important dans la religion juive, un passage décisif, et que tout changeait, etc., etc. Donc je me suis dit que c'était un signe, et qu'il fallait prendre comme tel. Et effectivement, ce à quoi je nous appelle, après vous avoir entendu les uns les autres, après avoir entendu Jean-Luc dire qu'ils se sentaient chez lui, après avoir vu Yann Berling les larmes aux yeux émus d'être ici tout à l'heure, c'est que quels qu'étaient les histoires, quels qu'étaient les parcours, et je comprends la fatigue, je comprends l'envie de voir ailleurs, je comprends l'envie d'essayer différemment, je pense que nous avons tous cette obligation de se rassembler. Et ça, et devant vous, je veux le dire, je remercie, et je remercierai toujours Daniel Colbetti pour cette leçon. Sans lui, Europe Écologie n'aurait pas existé. Oui, la première fois qu'il m'a vu, il m'a attrapé par le nez, il m'a dit « toi, tu vas pas m'emmerder ». Il a continué pendant de nombreuses années. Mais il avait raison. On ne peut pas dire qu'on veut sauver la planète. On ne peut pas dire que la priorité, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis ensuite dire qu'en fait, machin, il est trop droitiste, que Bidule est gauchiste, que machin s'entend avec trois et trucs, etc. Le droitiste ou le gauchiste de quelqu'un. Ça marche pour chacun et chacune d'entre nous. Même quand quelqu'un croit qu'il est vraiment au bout du bout du bout, il peut toujours se faire dépasser. Et donc la question qui nous est posée, c'est pas les 40 ans qui viennent de s'écouler, c'est les 40 ans qui viennent. Et donc, dans 40 ans, j'aurai 79 ans. Je disais, Chalia, ce sera moi. Et je veux absolument qu'on m'invite. D'ailleurs, même si on m'invite pas, je viendrai quand même. Je me préviens. La secrétaire nationale de l'époque, elle n'est pas encore née, c'est ça? Bon, dommage. Qui est-ce qui est enceinte ici? Et je veux pouvoir raconter, avec la voix un peu chevrotante, exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'en 2014, bon, on a fêté les 40 ans, c'était quand même encore compliqué. Et que tout va pas mieux. Que la crise écologique, effectivement, nous l'avons affrontée, mais que les écologistes assument leur responsabilité. Bien sûr que c'est possible, et si je dois garder une leçon de ces deux dernières années, c'est que quand on a de la volonté politique, on a encore du pouvoir. C'est pas vrai que les choses existent ailleurs. Ce qui manque aujourd'hui dans la politique, c'est le courage, l'envie, l'énergie et le refus d'un modèle unique. Oui, bien sûr qu'on a du mal politiquement à penser à un autre modèle pour la bonne et simple raison. Emmanuel Coste l'a excellemment dit dans son discours de clôture que sans croissance, rien n'existe. Sauf qu'effectivement, il n'y en a plus de croissance pour une raison très simple, c'est que notre planète a des ressources limitées. Et les écologistes l'ont dit il y a très longtemps, et Yves Cochet a signé un texte qui disait « Nous devons permettre l'accouchement sans douleur d'une nouvelle société ». Voilà ce que les Verts écrivaient lors de la création en 1984. On a un peu réussi, on a beaucoup progressé. On s'est engueulé. Je sais qu'à une époque, Yves, j'ai lu, vous avez fait autre chose. On fait un peu moins. Encore que. Et puis ensuite, je crois absolument indispensable qu'on se serre les coudes pour de vrai, que chacun fasse des efforts. Et je le dis, ça s'applique vraiment à chacune et chacun d'entre nous. Et je pense sincèrement que c'est possible. Parce que ce parti est mu par des talents extraordinaires. Alors je voudrais vous raconter deux histoires après, j'arrête. Ok, j'ai fait ma deuxième question sans que tu me poses la question. Deuxième question, c'était « Et dans 40 ans ?»
Alors, la première chose, c'est que j'ai promis à Emmanuel Cos, enfin plus exactement, j'ai eu l'instruction de faire une comparaison animalière. Donc, je vais la faire tout de suite. Donc, c'est à propos des castors. Donc, en fait, le castor est un animal, d'après Ronan Dantec, qui mesure environ 50 cm sans la queue. Bon, vous aurez plus d'explications par Jean-Luc Duménil tout à l'heure, mais les castors, c'est un clin d'œil à mon expérience précédente, c'est aussi un mouvement qui est né après la guerre, tout près d'ici, à Bayonne, qui a réussi à obtenir un terrain à moitié inondable, un marécage. Ils ne savaient pas comment se loger, comment loger leurs enfants, c'était des ouvriers, et ils ont décidé de se mettre ensemble pour construire. Ils ont commencé par creuser des canaux et par construire des buttes. Personne n'y croyait. Ils étaient une trentaine de familles, puis une cinquantaine, une soixantaine. Et puis ils ont réussi. La première grande opération très organisée, bizarrement, elle a lieu à Pessac, en 48. Et la deuxième, à Montreuil, l'année suivante. Mais je pense que ces gens-là, quand ils ont commencé, ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Et finalement, pas à pas, en serrant les coudes, ils ont réussi. Ils ont lancé le mouvement coopératif. Je suis très heureuse que grâce à tous ceux qui ont continué à travailler, ça figure aussi dans la loi. Alors que parfois, le chemin est long, mais qu'il faut des pionniers. Donc je voudrais, à cet instant, remercier avec une chaleur extrême ceux et celles qui ont été des écologistes à une époque où ils étaient moqués, caricaturés, où ils ont hypothéqué leur maison, ou donné leur argent personnel pour faire vivre le parti, parce que sans eux, on ne serait pas là. Que celle qui pour moi a fait ça, elle s'appelle Liliane Daillot. Un jour, elle m'a prise par la manche, elle m'a dit maintenant, faut que t'adhères. Et qu'il y a des milliers de Liliane Daillot, des dizaines de milliers qui ont fait ça et qu'il faut continuer. Et que, comme dirait Dani Cohn-Bendit, je ne te demande pas d'où tu viens, mais où tu veux que nous allions ensemble. Et c'est vraiment ça que nous devons faire. Nous devons aller ensemble parce que nous en sommes capables, parce que notre pays en a besoin, et parce que nous avons besoin, comme avait dit effectivement celui que je viens de citer, que nous fassions des choses qui nous font plaisir, que nous ayons envie, parce que c'est en ayant envie, en étant solidaires, que nous y arriverons. Alors voilà, j'ai un seul message pour les 40 années qui viennent. Debout, les écologistes. Des vers, des guignols. Voilà.
qui me faisait rire. Maintenant, ça me fait rire aussi, mais je le dis plus. Et quand même, on se sent porté par cette histoire, cet héritage, cette capacité aussi d'ouverture, puisque de fait, cette capacité à créer du neuf, c'est aussi confier à des gens qui sortent de nulle part des responsabilités importantes, faire confiance, s'ouvrir. Et parfois, ça marche même dans plein d'endroits, comme tu le disais, puisque je crois qu'on est passé de 80 à 130 maires écolos. Donc en fait, c'est quand même un saut énorme qui a été fait. Vraiment la question, parce que j'ai ta deuxième question, en fait, ça va être est-ce que c'est reproductible ? Mais donc, je vais pas dire deux fois la même chose. La réponse sera oui. Et donc, plutôt parler de est-ce que cette écologie de proximité, cette politique de proximité, est-ce que c'est plus réjouissant, il y a plus d'effervescence, est-ce qu'il y a plus de liens, finalement, que dans les combats nationaux, qui sont effectivement parfois un parcours de désillusion, mais aussi de beaucoup de bonnes choses. Et finalement, je dirais peut-être la première étape, la première dynamique, c'est-à-dire que s'il y a une richesse dans l'action locale, c'est aussi parce que la politique nationale, internationale, faillit sur deux domaines majeurs. D'abord, les conditions, l'évolution des conditions sociales et l'indépendance économique de chaque être humain. Donc, première grande faillite. Et puis, une deuxième incapacité à gérer le changement climatique et les pénuries de ressources. Donc, ces deux grandes, au moins, incapacité de gestion de la politique font que de fait il y a une désillusion extrêmement forte et que finalement le prisme d'entrée sur la politique locale il est double, il est à la fois parce que là on retrouve finalement un retour sur investissement beaucoup plus rapide que dans ces combats nationaux et internationaux, on voit ce qu'on fait, on voit la démarche, on voit les résultats d'autre part aussi parce que je pense qu'un certain nombre d'entre nous, même un grand nombre d'entre nous ne croit pas en l'homme présidentiel, qu'il soit président français, président européen ou sorti de je ne sais pas quelle organisation future mondiale, mais ils se disent que le changement va se faire sur un pain culturel, que les politiques sont de façon souvent quasi systématique, à part lors de grandes crises, en retard. Lors de grandes crises, sont généralement pas très réjouissantes, sont plutôt des guerres en retard sur le gain culturel, et que donc la bataille pour le gain culturel, elle se fait sur le terrain, et que c'est là que du coup ça se joue. Et que c'est là aussi qu'on peut résoudre les contradictions, c'est là qu'on peut montrer que notre projet, c'est un projet qui est stable, qui est le projet plus stable que celui du PS et du MP, hein, qui va une fois sur du social-libéral, et une fois sur de l'autoritarisme, sur des projets sociétaux. Le nôtre, il est en cohérence. Il est en cohérence, il propose des solutions de long terme et des solutions de court terme, des solutions de court terme qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le futur, et que finalement, ça permet quand même aux habitants, à chacun, de résoudre une contradiction, de dire qu'ils ne vont pas continuer à courir comme des lapins et avoir comme seul horizon la compétition jusqu'à la fin, mais qu'ils peuvent être des acteurs impliqués, ils peuvent créer des dynamiques, ils peuvent retrouver finalement une cohérence intérieure. Et donc c'est ça qui est aussi nourri et je pense créer une base aujourd'hui pour cette proximité. Et c'est aussi sans doute, bien que toutes les couches soient vraiment utiles, c'est aussi sans doute le fait qu'on peut dépasser plus facilement dans cet ancrage local la partie, nos dilemmes sur l'incarnation du pouvoir et l'action concrète. Parce que dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir local, on a à la fois cette incarnation qui est forte et qui est assumée, et qui a été assumée chez nous aussi à Grenoble, et qui permet de gagner parce que ça permet aussi de créer du lien et de créer des dynamiques, mais également qu'il y a des actions concrètes, donc on a les leviers qui sont visibles et touchables. Et quand ça bascule, ça bascule de façon très forte, puisque entre les deux tours, la progression de la participation c'est 6 points, donc c'est énorme. Que notre progression dans les quartiers populaires est colossale, qu'on passe à 40%, et donc on voit que quand ça bascule, tout d'un coup, le vote utile, le vote de cohérence, eh bien oui, c'est le vote de rassemblement, qui ne sont pas des rassemblements basés sur les écologistes, mais qui sont quelque chose de nouveau, de construit, un peu à l'instar de ce qui avait été fait au sein d'Europe Écologie. Donc le message, c'est ça, c'est une écologie locale,
qui permet des rassemblements plus faciles parce qu'il y a une proximité et qui permet de redonner de la cohérence à l'action politique. Et ce retour investissement, ils l'ont directement. Le non-cumul des mandats, nous l'avons appliqué immédiatement avec, pour ma part, la démission du conseil régional, mais pour le non-cumul entre les exécutifs de la métropole et les adjoints au maire. Également la baisse des indemnités qui avait été augmentée de 25% par les socialistes en 2008 parce que bon, c'est la crise, donc il fallait faire quelque chose. Donc ce retour-là, il voit cette proximité, fusionner le foot et le rugby dans les stades, faire des formations finance pour la première, il y a eu 150 en deux jours, 150 inscrits, du coup une certaine joie aussi d'exercer leur métier de la part des fonctionnaires. Finances qui ne sont pas souvent au contact des habitants et la part des habitants de s'impliquer et de sentir qu'ils peuvent agir. Donc ça bascule, ça marche et je pense que c'est ça sans doute cette énergie qui peut sortir de l'écologie politique locale et qui peut permettre aussi de créer ce bain culturel qui fera que le reste, ça facilite le travail pour le reste, de même que le travail associatif facilite le travail politique et fait avancer chez lui. Voilà. Marie-Claude Boileau, qui
qui était la tête de liste de 2008 et qui voyait qu'il a assumé sa position. Je rejoins ce que disait Cécile tout à l'heure. Je pense qu'il y a également, moi donc j'avais l'image, les vers sont mignons, donc c'est sympathique. Donc je me suis engagé en sachant où j'allais. J'ai rejoint l'anthropologie et j'ai été en fait extrêmement surpris par à la fois la structuration, l'accueil, la dynamique, la cohérence et l'animation d'équipe. Et donc ce travail d'animation d'équipe à Grenoble, on peut au moins citer dans ce travail extrêmement qui est un travail souvent de l'ombre, un travail de détail, un travail d'attention aux humains, un travail de qui sait, on met les bonnes compétences aux bonnes places. Je voudrais aussi citer Marie Soujaoui. Et Yann Longaburu. Parce que finalement, ce dont nous avons besoin, on a besoin de ceux qui se mettent pendant des années, parfois. Alors Yann, maintenant il a changé, il est devenu vice-président au transport de la métropole. Qui consacre un grand nombre d'années à ce travail de régulation humaine, ce travail d'animation humaine, ce travail d'attention, aller décider, chercher des gens à l'extérieur, faire de la régulation, assurer que les nouveaux ils aient de la place, assurer que ceux qui font la place ils soient un petit peu frustrés, mais pas trop, et que tout ça, finalement, c'est ça qui crée le bain qui nous a permis et qui m'a permis moi d'arriver cette construction d'équipe dans des conditions extrêmement favorables. Alors il y a ce contexte, mais chacun, je pense, construira le sien, et puis après, il faut construire l'opportunité. Le seul, peut-être, message que je voudrais faire passer, c'est que nous avions effectivement une reconnaissance forte sur nos compétences, nous avions une reconnaissance forte sur notre capacité de travail, nous avions une reconnaissance forte sur le sens de l'intérêt général, et nous avions aussi une reconnaissance forte sur notre pureté. Alors la pureté des écolos, c'est la même au niveau national et au niveau local. Au niveau national, à la fin, ils vont à la soupe. Et au niveau local, ça se traduisait par, à la fin, ils vont au tribunal parce qu'effectivement, ils sont cœur-cœur. Et donc, ce que nous avons fait, le travail vraiment qui a été fait, c'est de dire, nous voulons mener les prochaines majorités, nous voulons gagner, non pas pour être maire, pour être adjoint, mais pour avoir le pouvoir de faire, de transformer, de lancer la ville dans cette transition du 21e siècle. Et donc, il nous faut mettre de côté, capitaliser sur ces forces-là, et se convaincre nous-mêmes que oui, on est là pour gagner, que la crédibilité, moi je ne me suis jamais posé la question, pour moi la crédibilité c'est une question socialiste. Hein, les socialistes que j'ai côtoyés au conseil régional, ils sont encore, je croyais que ça datait de 81, mais j'ai découvert en 2010, ils sont encore en train de se demander est-ce qu'ils sont crédibles, et donc faire des politiques sérieuses, et généralement, en fait, pour un socialiste, une politique sérieuse, c'est une politique de droite, c'est sérieux. Intime qui a pris du temps à émerger. J'ai un message, c'est ça, c'est cette conviction, on n'est pas des contre-pouvoirs, j'ai passé beaucoup de temps, nous ne sommes pas des contre-pouvoirs, nous sommes en fait l'alternance, ça choquait parfois en disant l'alternance, on est alternative, non, non, l'alternative c'est le truc sur le bord, nous on est alternance, et donc nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur le fait que non, on n'est pas un contre-pouvoir, qu'on est là pour gagner, et en fait ça s'est inscrit naturellement, et pour le regard extérieur, c'était normal et finalement ça faisait partie de la photo. Donc c'est en cela qu'il n'y avait pas eu surprise, de même que nous avions préparé aussi l'arrivée du directeur général des services qui est arrivé avec nous, etc. On avait fait le boulot parce que, voilà, on avait fait tout le boulot pour gagner, et c'était ça qui était important pour nous. Et je pense que cette conviction-là, ça permet aussi de dépasser nos identités. On n'était pas avec un petit drapeau parce qu'on a un peu de doute, alors il faut se rassurer derrière le drapeau. Quelque chose de nouveau a été construit, pas autour des écolos, mais quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des mouvements citoyens, des collectifs citoyens qui ont émergé, je suis sûr qu'il y en a partout chez vous. Il y a le parti de gauche et l'autre composante du front de gauche qui nous ont rejoints, qui ont rejoint cette dynamique. Il y a Europe Écologie Les Verts et tout ça, en fait, ce n'est pas les mouvements qui se sont rejoints, c'est un projet, on a démarré par le projet, on a vraiment démarré par le projet, et puis après, on a fait un appel citoyen, et puis après est venu, très tard, en novembre, le soutien des mouvements, et après est venu le choix de la tête de liste, la liste, etc., et une campagne, du coup, extrêmement dynamique, parce qu'on avait pris le temps de se rencontrer, pris le temps de passer deux jours ensemble, paumés dans le Vercors, où nous retournons la semaine prochaine, donc pris ce temps-là,
Et c'est vraiment cette capacité de créer quelque chose de nouveau, pas de se dire on est le centre et on va rassembler autour, mais de créer un espace nouveau qui du coup est un vrai espace collectif dans lequel beaucoup de gens différents peuvent se retrouver. Et ce qui fait qu'à Grenoble, on travaille, la première adjointe, Lisa Martin, est cofondatrice du Parti de Gauche, que nous discutons aussi bien avec Pierre Larouturou qu'avec Martine Billard, qui est en ce moment à Grenoble et avec qui nous avons passé la soirée mercredi soir. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc il y a cette facilité finalement à discuter, puisqu'on est serein et persuadé en fait qu'on a effectivement une proposition qui a un écho, une proposition qui rentre, qui est choisie et qui met en mouvement les habitants grenoblois. Voilà. Un dernier point pour conclure, c'est de dire que cette victoire grenobloise, c'est une victoire, je suis sûr que vous trouverez tous votre contexte, et c'est une victoire finalement qui est votre victoire à tous, puisque c'est tous les combats citoyens partout en France, c'est tous les combats des gens qui sont encore fortement ancrés à gauche et qui ne lâchent rien, c'est tous les combats aussi des écologistes depuis 40 ans qui ont créé ce bien culturel, ce qu'ont créé et qui ont permis finalement cette victoire à Grenoble. Donc bravo à tous pour cette belle victoire à Grenoble. On s'est excusés 5 fois, ils avaient vraiment envie d'être là. Je voulais remercier aussi Martine Billard, parce que tu l'as dit, on a invité, elle était à Grenoble occupée, Dominique Wallet, Noël Mamère. Alors Yves Cochet, on ne l'a pas invité là parce qu'il va vous faire des blagues tout à l'heure et que je vous conseille d'être là. Donc ça veut dire que là, après la vidéo, on va partir tranquillement vers la scène extérieure, on va se reposer 15 minutes à la buvette et qu'après commence le cabaret de l'écologie. Et comment ? Alors, on dit qu'il n'y a pas de vidéo, mais c'est pas grave, on a plus dire. Il y aura de la musique. Donc, il y aura de la musique là-bas, voilà, écrit donc les cabarets d'écologie, où vous aurez de l'écolo-coaching. Parce qu'en fait, pour tous réussir à faire comme à Grenoble, on a une coach écolo qui va vous expliquer comment on fait, et c'est elle très très drôle, donc je vous conseille d'être là. Et puis après, on mettra les fameux castors de l'écologie, il y en a 8, et on vous conseille également d'être là, il y aura des surprises. Alors, Emma, je veux que tu viennes parce qu'on veut que tu sois là avec nous, et je veux que Pierre Parot vienne aussi. Est-ce que vous savez qui c'est Pierre Parot ? Pierre Parot, c'était le premier salarié des Verts. T'es pas là, tu vas te mettre quand même de faire applaudir. Je veux que tous les intervenants